Bonjour, hi. Je m'appelle Normand Latour. I'm really pleased to welcome you to this special edition of Perspective Live on how colleges and institutes are changing the narrative. I am the host of Perspective en Direct, the French version of this unique monthly CICAN show, and I'm very pleased to be your host today for this special bilingual edition of our Perspective. You will be able to follow the show in both languages with the addition of captions, thanks to technology. Vous pouvez suivre l'émission aujourd'hui dans les deux langues officielles grâce au sous-titrage. Encore une fois aujourd'hui, ben, je vous parle en direct de chez moi, dans l'Outaouais québécois. Les restrictions sanitaires en Ontario et dans l'Outaouais nous empêchent de nous rendre au Château-Laurier à Ottawa où sont situés les bureaux de CICAN. Je salue donc notre équipe technique. Chacun est encore chez soi aujourd'hui. Hi guys! We have many guests today with whom I had the privilege to speak with, including CICAN Connection Conference keynote speakers who will briefly give us a sense of what changing narratives means to them, giving us a preview of what they will talk about in 2 weeks' time at CICAN Connection Conference. Vous entendrez aussi des participants du congrès, de même que des organisateurs qui viendront nous dire pourquoi et comment on peut réinventer l'avenir ensemble. Pour vous présenter notre émission, nous utilisons Facebook, bien sûr, mais aussi la plateforme interactive Slido, que je vous invite d'ailleurs à retrouver. Je vous invite à nous retrouver à cet endroit. L'information est à l'écran présentement. Quand vous y êtes, en haut, à la droite de votre écran, vous verrez apparaître des onglets où vous pourrez réagir en direct aux propos de nos invités. Vous pourrez poser vos questions, on vous écoute et on vous répondra rapidement. We are now going to join Denise Amiot, President and CEO of CICAN, who is going to co-host the show with me today. As a matter of fact, she's going to help me. Bonjour, Denise. Bonjour, Normand. Denise, je vous invite à reconnaître tout de suite, comme on le fait habituellement, la place des Premières Nations au pays. So it's my pleasure, Normand, to take this opportunity to acknowledge that the land on which we are hosting our virtual show is the traditional unceded territory of the Algonquin Anishinaabe people. Denise, si nous prenions quelques instants pour voir comment les collèges et les instituts ont réussi à naviguer cette fameuse pandémie. What a question, Normand. So, you know, our colleges and institutes were thrown into very uncertain waters as they were forced to convert to online courses in few days while struggling with a myriad of other issues. COVID-19 forced them to reimagine how they can continue to deliver an engaging and holistic learning experience for all their students. Et bien que cela ait posé de nombreux défis à nos établissements, il s'agissait également d'une occasion en or de rompre avec ce que j'appellerais les vieilles habitudes et de créer de nouveaux modes d'apprentissage, des modes novateurs et percutants qui tirent profit en fait de la technologie. And how was it for CICAN? CICAN has worked very hard to ensure that we were able to continue to support our members, our associates, and our stakeholders. And also, at the same time, to support their recovery as well as to position the critical role of colleges and institutes in Canada's future, especially during this pandemic. So in our role as advocates, as capacity builders, and as drivers of knowledge, CICAN has continued to strengthen the college and institute system, both in Canada and abroad, through our advocacy and through our numerous initiatives and projects. On the international front, we have remained committed to support international student recruitment, outbound mobility, and international development projects overseas. We are working
in a very different world now, Norma. And despite the safety restrictions, the show must go on. Absolutely. And we must continue to provide our members, our partners, and our stakeholders from across the country with the opportunity to learn, to share information, to network, to come together, and honestly, to be optimistic about the future. We had to cancel last year, but this year we're going ahead. Absolutely. We had to cancel, but we have decided this year to hold our annual flagship event, our 2021 CICAN Connection Conference. It will be fully virtual. All sessions will be recorded and we'll have simultaneous interpretation. So what this means is that it will allow us to welcome an even broader community of attendees, including those who might not normally be able to attend an in-person conference from across Canada and around the world. Plus de 1000 personnes sont déjà inscrites qui se réuniront virtuellement pour entendre 5 conférenciers principaux de renommée internationale. En plus, on a plus de 100 conférenciers et plus de 50 séances en direct. Alors, les participants pourront profiter de séances et de présentations pré-enregistrées sous le thème inspirant « Réinventons l'avenir », « Changing Narratives ». And what is going to be very special about this year's conference? Oh, where do I start, Norma? So I would begin by saying that our conference theme, Changing Narratives, Réinventons l'avenir, is really inspiring. And it will stimulate our colleges and institutes, our partners, and other stakeholders to reflect on how the global impact of the COVID-19 pandemic has forced post-secondary institutions to dramatically change the way they operate to ensure that their graduates have the relevant skills and competencies to meet the needs of the labor market, which is constantly evolving. So we have a wide range of topics, a wide range of presenters from across the country, and some from overseas as well. So there will be experts coming from a variety of fields. I will be doing myself a pre-recorded session on trends, issues, and lessons learned this past year. Don't miss it. I'll be there. My team has worked very, very hard with companies and digital experts to offer a diverse, engaging program to ensure a great experience again this year, where participants will continue to enjoy what I like to call the human connection that CICAN annual conference is known for. Let me give you an example. So participants will have access this year to the interactive Brain Date platform, which will connect our delegates interested in sharing knowledge about a particular subject or topic, either on a one-on-one or
in small groups. And we are going to take a short moment to present you a video clip showing exactly what brain dain is really. Let's have a look. Well, this platform is really cool and will certainly offer this human connection, this human experience that you were talking about, Denise. And if you want to know more about the platform, the address is right there under us. Quels sont les autres composants du congrès, Denise, qui vont nous aider à réinventer l'avenir comme on le souhaite? Alors, Normand, le programme de cette année comporte plusieurs activités extracurriculaires, dont un forum international et un forum pour les communautés autochtones, rurales, éloignées et nordiques. Il y a aussi des rencontres de réseautage pour les gouverneurs et les membres des conseils d'administration des établissements. Il y aura aussi des rencontres spécifiques pour les présidents et directeurs généraux. Et not to be missed is this year's virtual marketplace, where participants can interact with sponsors and exhibitors who support colleges and institutes. Et profitons-en, puisque vous venez de le mentionner, Denise, un congrès qui est aussi élaboré et innovateur exige plusieurs ressources et l'appui de partenaires corporatifs importants, des commanditaires importants aussi. Vous voyez leur nom apparaître présentement à l'instant. Thanks to all the sponsors and the exhibitors who have made possible CICAN Connection this conference this year. Denise, merci beaucoup. On va se reparler un peu plus tard après avoir entendu nos invités. À tout à l'heure. Take care. As mentioned earlier, CICAN has invited five exceptional keynote speakers who will present during the conference. I had the privilege and the pleasure of interviewing Gerd Leonard, who will be doing the opening of our conference on April 26 at 12 o'clock. Il est évidemment déçu de ne pas pouvoir venir physiquement à notre congrès, mais il me confie que depuis la crise de la pandémie, il a rencontré plus de gens en ligne qu'il ne l'a fait en personne depuis 10 ans. Évidemment, les rencontres sont bien différentes. We join him from his home in Zurich, Switzerland. Well, you know, the topic of education and learning in the future has been very dear to me for quite some time. You know, I wrote my last book about 5 years ago called Technology versus Humanity. And this is one of the key topics about what do we need to do to learn like a human rather than to learn like a machine? Mm-hmm. Because, you know, the future is all going to be about being more human and less like a machine. And I think that is a crucial topic to understand if you're an educator or if you're in a learning environment or even doing HR. Yeah. It's important to understand. And that's not totally new, but now it has a new dimension, I would say. Yes, well, the new dimension is really clearly that machines are getting smart. I wouldn't say intelligent, but so in the next 10 years, machines will be able to do a lot of our routine work.
So in the factory, driving, flying, answering questions, writing reports, doing research, AI, artificial intelligence, very big in Canada, of course, mm-hmm, right? Mm-hmm. Yeah, of course. And so what it means for us is that the only work that's left for us, and that is enough work, is the work that only humans can do. So it's the what I call human-only work, you know, compassion, understanding, negotiation, foresight, creativity, design, you know, and that's what we have to learn, really. We have to go back to learning that. But, you know, basically our problem is that we're teaching kids and students and adults to learn by downloading information, you know? And this is no longer required because you can download as much information as you want on the click of a button. Yeah. Right? So in Google 2 years, not just Google, but I mean, in 2 years, you can go to your wristwatch and you can say, explain the difference between ice hockey and whatever, mm-hmm. right? And you'll get a speech, you'll get a presentation. Now there's an app called Learn From Anyone. That's an artificial intelligence where you can learn from Elon Musk or from a dead person too, right? So really what it means for education is that we have to switch back to what it really means is to learn in new ways, right? And to learn just in time rather than just in case. Yeah. So we have to switch our thinking from functioning to creating, which is what it used to be. So it's not really that new, but lately, for example, getting an MBA has meant that you just study and study and study, and then the real world is different. Right? Yeah, absolutely. That doesn't work anymore. Yeah. And with COVID-19, of course, those machines were there, but like Zoom, for example, are different platforms that we are using to communicate. They were there, but they were just sleeping somewhere on their bed, and now we have to use them all over the world. Well, we're going to become much more global in many ways because these tools that we're using now, they're pretty good, but just give it 2 or 3 years and I will be traveling virtually to speak in a hologram in Beijing. And not for $1 million, you know, it'll be cheap compared to today. Mm-hmm. And another 10 years, we're going to have 9 billion people on the internet with 10G connectivity. So I can be on top of the mountain somewhere in a ski resort in Canada, and I can broadcast myself to the world, yeah? Yeah. So that's going to make a very big difference on work, on jobs, on everything. How interesting. According to GERD, our learning experience will be hybrid in the future, but we will always need those 0.4 seconds to find out who the person in front of us is really. So you don't want to miss his presentation on April 26th at 12 p.m. That's Eastern time, of course. We were curious to find out why people like you wanted to be part of our Connection Conference this year, even if this bizarre period of our existence. So before presenting our next keynote speakers, we will listen to Lise Bourgeois, President du Collège La Cité à Ottawa. She will be with us during the conference with many of her colleagues from La Cité. And I asked her, what was the meaning of réinventer l'avenir for her? Pour moi, réinventer l'avenir, c'est de faire des choses qui positionnent bien nos étudiants, particulièrement puisqu'on est dans un collège, pour qu'ils soient des employés recherchés, des employés qui ont tous les talents et les compétences pour s'adapter et être productifs sur le marché du travail. Donc, que ce soit les pratiques, que ce soit les approches d'enseignement, pour moi, réinventer l'avenir, c'est d'accepter que tout ne se fait plus maintenant, seulement qu'en salle de classe. On vient de voir qu'on est tout à fait habile à le faire à distance, que ce soit en mode commodal, high flex, soit en mode hybride. Il y a plusieurs façons d'offrir la formation et être novateur, pour moi maintenant, c'est comment on le fait pour garder l'étudiant, l'adulte ou le jeune étudiant engagé et puis que ce soit dynamique, quand même un apprentissage dynamique. Qu'est-ce que vous participez au congrès depuis déjà plusieurs années, vous y êtes à titre de congressiste, mais vous présentez aussi des conférences, des ateliers. Qu'est-ce qu'on va chercher quand on est la cité, qu'est-ce qu'on va chercher dans une activité comme celle-là?
Ben justement, quand on est la cité, là, on va chercher beaucoup parce que moi, je dis toujours que c'est au contact avec d'autres. C'est quand on a un bon réseau, quand on a l'occasion d'interagir avec d'autres collèges, des gens qui sont, je dis le collège, mais ça peut être aussi des employeurs, des conférenciers, qui partagent des innovations, des idées, des stratégies sur lesquelles... Des défis aussi, j'imagine. Des défis sur lesquels, nous, on peut agir et apprendre des autres. Pour moi, innover, ce n'est pas toujours créer de toutes pièces. Parfois, je dis, c'est permis de voler et d'adapter des idées et de les rendre encore plus pertinentes à la clientèle qu'on dessert. Et on sait que quand on est francophone, on joue un rôle important dans nos communautés. Alors, il faut toujours s'assurer qu'on n'est pas seulement dans la parade, mais en avant de la parade. Pour que nos étudiants et nos communautés puissent profiter de ce qu'on a à offrir. Oui, exactement, parce qu'en bout de ligne, c'est toute la société qui va en profiter. Absolument. Ça a des répercussions sur la vie personnelle, professionnelle, le monde du travail et la société, en effet. La place que doivent occuper les peuples autochtones dans le milieu d'éducation est extrêmement importante dans le contexte de la réconciliation, mais aussi pour le bien-être et la prospérité des communautés partout au pays. En fait, l'éducation, vous le devinez, c'est la clé de voûte. We have invited Tanya Tanaga to take the stage on April 27th. She knows better than anybody the burden and the challenges that First Nations have to deal with. She is an Anishinaabe journalist, producer, director, and a change maker speaker. Buzu anin Tanya Talaga Nagisnakas Kamusko Pimojija Pineshish Nagisnakas. And I'm coming to you today from Tacaronto, home of the Mississaugas of the Credit traditional territory of the Haudenosaunee and the Huron-Wendat. That's great. Thank you very much, Tanya. Nice meeting you. It's nice to meet you. Tell me, why have you accepted to be part of our conference? I suppose that when you have change maker in your title, it's a good reason. It's a good reason. I thought I'd be a good fit. it's really important for me to talk as much as I can to educators around the country, around the world, actually, on the importance of reforming education to reflect the true history of North America, to reflect the true history of Canada. Mm-hmm. And I know that so many Indigenous people go to colleges and institutes. It's an important part of the learning step. And so when I was offered the chance to speak to everyone, I thought I should really do it. Yeah. And especially when you realize that education is really the key of everything, right? Oh, absolutely. You know, Senator Murray Sinclair, who was the chair of the Truth and Reconciliation Commission in Canada, and the Truth and Reconciliation Commission, just as a bit of a refresher, looked into what happened in this country from the mid-1800s to 1996, where 150,000 Indigenous children were taken away from their families and their homes and their communities and sent to church-run, government-funded residential schools. So one of the things he always tells me is that education very much got us into this mess, and mm-hmm. education will lead us out of it. Yeah. And is that the way that you're going to approach what you're going to talk about during your presentation? Absolutely. Absolutely. You know, I'm going to very much talk about what has happened in this country and why it is we see so many of our people struggling now because of trauma that has ensued due to colonial oppression, due to things like the Indian Act. And if you are a Canadian educator, you will know a little bit about the Indian Act. The Indian Act was passed in 1876, and it basically put our people on little tiny pieces of land, and the rest of the land was taken away so other people could come and settle and benefit. And also our children were taken and put in those schools that I was talking about. And sadly, those schools, you know, imagine being a child. I mean, imagine being 5 years old or 6 years old or 10 years old and not being able to speak your first language, not being able to see any of your family, and having everything taken away from you.
and being told you have to act like a really good British citizen. And that's how you will, you know, form into Canada. And that, sadly, those teachings did a lot of damage to our people. And we are slowly climbing out of it in this country, you know. Oh, yes, we are. Absolutely. Yeah, and it's going to take an effort by everybody, by educators, by politicians, by regular Canadians, mm-hmm. by First Nations people to stand together to say, you know, what we need to change things because, mm-hmm. you know, First Nations people are, we have the highest birth rate in this country. And that's important because we are the future learners. We are the ones going to, you know, to elementary school and high school, and then hopefully on to colleges and institutes. So it's important that we make sure that education is done properly. Right. Thank you very much for taking your time. I'll be there watching your presentation on April 27th. It's at 12 o'clock. Thank you very much. Chimigwich. CICAN vous propose cette année un forum pré-congrès et un forum de discussion également. Il sera question aussi de l'intégration et des défis auxquels sont confrontés les peuples autochtones et du rôle essentiel de l'éducation, comme le disait Tania tantôt. Car les collèges, les instituts et la population au grand complet devront mettre l'épaule à la roue quand on parle de réinventer l'avenir. Let's listen to Corey Wilson, director at BCIT and the chair of CICAN National Indigenous Education Advisory Committee. You will see how fully engaged she is personally and within CICAN and fully supporting that wonderful bilingual world, Réconciliation. There's no question that knowledge is power. And with that power, with that knowledge, it's one thing that cannot be taken away from a person. So the more we empower and increase learning amongst Indigenous learners across Canada, across all institutions, the better able we are to support and advance reconciliation. Now tell me, all the colleges and the institute in the country are already doing things in that venue. What should they do differently, or what do we have in mind? Yeah, well, I think there's a lot of fantastic initiatives across Canada, and particularly CICAN has been a leader in this area with our Indigenous Education Protocol, which is an aspirational document encouraging institutions across the country to really consider and intentionally look at reconciliation and Indigenization. And I mean, what we can keep doing or what is necessary to keep doing is that we keep at it, no matter how difficult, no matter how challenging, that we have the courage to go forward to authentically listen and engage with Indigenous peoples and really embrace and have the courage to think outside the box and re-envision and reimagine an education that is inclusive, that elevates all voices, and that advocates for everybody to be at the table and for, you know, to also play a part in self-government and initiatives that allow Indigenous people to make the choices that they want for the life that they want to lead for their family and their community. Mm-hmm. And why do you use the word courage? I think I use the word courage because these types of issues can sometimes be very challenging for people because we are upsetting or challenging the status quo in some ways for some people. Mm-hmm. A lot of myths and stereotypes out there about Indigenous people, and sometimes people don't think it's fair to focus on one group over another group. But the reality is that Indigenous people, this is where we come from. Canada is built on the lands that Indigenous people have occupied. So we have to have courage to have those difficult conversations to understand that this is about equity. It's not about what's fair and what's not fair. It's about how do we create a society that every voice is valued and heard and advocated for. We will have a pre-conference forum. What are you going to talk about during that pre-conference forum? Well, usually the pre-conference forums are always exciting places. They're of course, we're not in person this year, but being able to be together online and it's a great networking opportunity. It's a great place to find synergy and to combine the energy of people doing incredible things across the country. And I would imagine we'll be talking about best practices, how to support each other, how to advocate and continue to advance reconciliation and Indigenization in post-secondary, as CICAN has been doing for a long time and is a leader in that area. Okay, let's hear now from another participant who will join and engage a conversation during the Connexion Conference this year. I had a short conversation with Marie-France Bélanger, Directrice Générale du Cégep de Sherbrooke, located in the province of Quebec. I asked her
what was appealing for her in the theme of our conference? Mais c'est sûr que je vous dirais que dans un milieu d'éducation, il faut garder des bases solides, il faut se référer à la recherche en éducation. Mais c'est clair que les besoins des étudiants changent, nos étudiants changent, leurs besoins changent, leurs perspectives changent aussi. Il y a une grande pression qui s'exerce due à la rareté de main-d'œuvre, la pression du marché du travail se fait très forte sur eux. Donc, c'est sûr que de ce point de vue-là, les choses évoluent, les choses changent, ça nous force à bouger. Si on veut les écouter, il faut changer. Les besoins des entreprises et des organismes avec lesquels on travaille changent aussi. Les besoins sociaux changent. On est inscrit, nous, comme maison d'enseignement, dans un milieu. Et ce milieu-là, ben, il évolue. Il y a des préoccupations environnementales très fortes. Il y a des préoccupations d'inclusion sociale. Il y a une conversation politique, démocratique qui évolue. Ben, forcément, ça nous oblige à bouger puis ça nous oblige à changer. Il faut préparer nos étudiants à ces défis-là aussi. Il faut les préparer à participer à la société dans laquelle ils sont eux-mêmes partie prenante. Alors, c'est sûr que nous, il faut... on a cette obligation-là, puis on a ce désir-là aussi. Notre personnel est inscrit aussi dans cette société-là. Forcément, ça fait qu'on bouge. Et c'est l'intérêt aussi d'être dans un milieu éducatif. Nos étudiants changent à chaque année. Ou presque. Et nous, ben, évidemment, on change, on bouge, on s'adapte. Et donc, il faut réinventer l'avenir. On est actuellement dans un monde X et nos étudiants, on les prépare pour l'avenir. Ben, c'est sûr qu'il faut préparer l'avenir, forcément. Et on fait ça de tout temps. Mais là, il faut le faire parce que ça évolue encore plus rapidement qu'avant. Et un forum comme celui-là, c'est une occasion rêvée d'aller voir ce qui se fait ailleurs, puis de partager beaucoup avec nos expériences, parce qu'à Sherbrooke, vous faites déjà beaucoup, vous êtes déjà un leader dans bien des domaines. On est un leader dans bien des domaines, puis il y a des domaines où on est un peu moins avancé, donc on peut aller partager des idées, mettre au défi ce qu'on fait, parce qu'on peut penser qu'on a des bonnes idées, puis qu'on est innovant, mais des fois, on se fait mettre au défi par d'autres, on se fait questionner, puis on revient avec une réflexion plus critique, on peut aller chercher des idées des autres. Mais participer à des congrès, c'est aussi revenir avec une énergie nouvelle. Puis une énergie nouvelle, c'est bon pour des dirigeants, mais c'est bon aussi pour nos équipes. Quand on envoie des gens de nos équipes terrain participer à des congrès comme ceux-là, c'est aussi une façon de revenir avec cette énergie nouvelle-là. Puis on a besoin de l'engagement de chacun et de chacune pour être capable de bien réaliser notre mission. Et donc, c'est important qu'on puisse y participer à des événements comme ceux-là, le congrès de Collège et Institut Canada, pour pouvoir s'alimenter puis pour pouvoir être encore meilleur parce qu'on doit desservir nos étudiants avec tout notre cœur, tout notre engagement parce qu'ils en ont besoin et puis ils nous font confiance. En temps normal, mon prochain invité, ce serait imbibé de l'atmosphère de notre congrès avec ses odeurs de café, le murmure de la salle, mais ce ne sera pas le cas cette année. Olivier Diens me disait par contre que même à distance, on arrive à sentir une présence. C'est donc dans ce contexte que nous pourrons le voir et l'entendre le 27 avril à midi. Alors, pour moi, l'idée un petit peu est la suivante. C'est que dans un monde si... un point charnière, en fait. Bon, il y a beaucoup de points charnières dans l'histoire de l'humanité, mais on peut certainement dire qu'ici, on a une espèce de point charnière. Le monde de l'éducation doit être capable d'aborder les défis qui sont les nôtres aujourd'hui, et ce sont des défis importants. Et la question, en fait, que je me pose depuis plusieurs années, est-ce qu'on a un système assez riche, justement, assez créatif, pour permettre aux étudiants d'aborder ces grands défis que nous posent en particulier, mais pas uniquement, mais en particulier les technologies. Alors, vous savez, ces défis, on peut en parler beaucoup, il y en a plusieurs. J'en donnerai quelques-uns ici rapidement. Je vous dirais que le premier, c'est le défi du temps. Dans ce sens que Raymond Kurzweil, qui a travaillé à MIT, à Google, etc., nous dit très bien dans un de ses livres, hein, on va connaître 20 000 ans de progrès à la vitesse d'aujourd'hui au cours du 21e siècle. Pas 100 ans, mais 20 000 ans. Ouais. Comment est-ce qu'on peut gérer un monde, comment est-ce qu'on peut préparer les étudiants dans un monde avec... Quand ça va si vite, quand les choses changent à une vitesse aussi extraordinaire. Il y a des défis qui sont reliés évidemment à la question de la vérité, comme on le sait, des défis qui sont reliés à la question de l'éthique. Alors, une question qui me semble très intéressante en intelligence artificielle, par exemple, c'est comment programmer l'éthique? Qui va programmer l'éthique? Et aussi,
comment programmer la subtilité de l'éthique entre, par exemple, comment faire la différence entre ce qui est légal et ce qui est juste, hein, ce qui est pas facile à programmer. Il y a des défis, comme vous le savez, il y a des défis aussi de surveillance, des défis de travail, d'emploi, de robotisation. Ce sont des défis fondamentaux. Et en fait, ce que pour moi, un petit peu, c'est l'ère, j'emprunte ici un terme à William Gibson, un auteur de science-fiction, c'est l'ère de la terreur et du sublime, c'est-à-dire qu'on se lève le matin, et c'est à la fois, nous dit Gibson, le matin de Noël et l'apocalypse. Puis je pense qu'il faut être capable de vivre dans ce monde-là et de créer un système d'éducation qui permettra justement aux jeunes de vivre, d'aborder, de comprendre ces problèmes-là et de comprendre ces tensions-là. Ouais. Et à la lumière de cette réflexion-là, Olivier, à qui appartiendra cette lourde tâche de proposer ces changements-là? Le système, le gouvernement, les jeunes? En fait, ce que j'aime bien penser, Normand, c'est que, évidemment, ça va être une tâche sociétale. Hein? Tous les intervenants, les acteurs de la société doivent faire partie de cette conversation. Ce que j'aime bien penser, c'est que, je vais aller un petit peu par la négative. La pire chose qu'on peut faire ici, c'est de se retirer de cette conversation-là, de dire « je ne comprends pas, ça ne m'intéresse pas, c'est au-delà de moi ». Il faut faire partie de cette conversation-là. Les défis sont importants. Il y en a qui sont éthiques, il y en a qui sont raciaux, il y en a qui sont politiques. Je veux dire, tout est un peu chamboulé actuellement. Il faut faire partie de ces conversations-là parce que les consensus qu'on prendra en société, il faudra en prendre parce que la plupart de ces défis n'ont pas de réponse claire, oui ou non. Elles sont quelque part dans les zones grises. Il faudra prendre ces décisions-là en groupe, en société. Et pour ça, il faut faire partie de la conversation. Donc, pour répondre plus spécifiquement à votre question, ça commence évidemment à la maison et ça se poursuit à l'école et ça se poursuit ensuite au travail et au gouvernement. Olivier was telling me that the magnitude of the pandemic is caused by globalization, of course, but that globalization also makes possible extraordinary medical discoveries, such as the vaccine, for example. So to hear what Olivier has to say about the future of our education, don't miss his presentation, April 27th at noon Eastern Time. Quand nous échangeons avec des observateurs privilégiés à l'étranger, il est intéressant d'entendre ce qu'ils ont à dire sur nous et sur notre système d'éducation. Quand j'ai parlé à notre prochaine invitée, Fabienne Gou-Baudimont, qui présentera sa conférence à la clôture du congrès, je lui ai demandé pourquoi elle avait accepté de se joindre à nous, même virtuellement, et elle m'a dit trois choses. D'abord, premièrement, que le Canada est un chef de file mondial, un modèle pédagogique international. Deuxièmement, grâce à des organismes comme CICAN, me disait-elle, on arrive à gérer une forte décentralisation avec une très, très forte coordination, ce qui n'est pas le cas dans son pays, dans plusieurs pays du monde, le sien, c'est la France. Et finalement, dans plusieurs organismes canadiens, il y a déjà une vision prospectiviste du monde. Donc, elle sait que son message sera compris par les Canadiens et espère-t-elle que son message sera inspirant aussi. Alors, de quoi va-t-elle parler? On l'écoute. Quels vont être les enjeux majeurs en matière d'éducation et d'enseignement demain? Et c'est pour ça que mon titre, alors je sais bien que le Québec est très très attaché à la langue française et j'en suis très heureuse, mais mon titre néanmoins est en anglais et je vais le maintenir en anglais et je vais vous dire pourquoi. Ce titre c'est « Educating the Liquid Education ». Okay, l'éducation liquide, c'est un peu gauche comme traduction, mais on comprend, voilà, c'est enveloppant. Le côté liquide, alors je vais vous expliquer pourquoi liquide. Mais d'abord, commençons par Eduning. Eduning, c'est un composé de education et puis le bloc teaching, learning, ENG, Eduning, teaching, learning. Et ce qui me pose problème avec le couple teaching, learning, c'est que pour moi, c'est un couple toxique. Il est toxique parce qu'il place l'apprenant en position passive d'être en mode learning. En apprentissage. Et place l'éducateur en mode ex cathedra, c'est-à-dire dogmatique, en étant le teacher, celui qui apprend à l'autre. Et je pense que l'éducation de demain, ce ne sera plus ce modèle-là, qui pour moi est un modèle obsolète, hérité du passé, mais qu'on sera dans quelque chose de beaucoup plus fluide, pour le coup, beaucoup plus liquide, mais aussi parce que nous avons, parmi les nouveaux enjeux, nous avons l'Alien Generation, nous avons ce qu'on appelle la Great Transition, et bien évidemment, nous avons ces fameuses Liquid People, qui sont des nouvelles manières d'être, qui décatégorise en fait les individus. Et il va bien falloir que notre système éducatif prenne ces grandes évolutions
en compte. Je me rends compte que si nous avions une heure, j'aurais 3000 questions à vous poser, mais à qui appartiendra ce rôle, Fabienne, de changer cette relation que nous avons avec le monde de l'apprentissage? Vous savez, la nature a horreur du vide. Quand une institution devient obsolète, il y a automatiquement des alternatives qui viennent au jour. Donc, soit l'éducation est capable de se changer par elle-même, et le système éducatif est capable d'évoluer, ce qui va impliquer une certaine révolution, mais qui peut se faire. Soit vont naître à côté ou autour du système éducatif des systèmes parallèles qui vont faire que, comme vous le savez, au Japon ou en Chine, vous avez un double système, un système public, un système privé, les étudiants allant dans les deux simultanément. Eh bien, on pourrait imaginer que si nos systèmes ne sont pas capables d'évoluer rapidement, on va avoir exactement le même type d'évolution qu'on voit déjà. Moi, mes étudiants en école d'ingénieurs prennent des MOOC en complément de leurs études en école d'ingénieurs, totalement indépendamment des enseignants, indépendamment de leur programme, à la carte. C'est un choix qu'ils font. Et des MOOC, ce sont ces formations extrêmement bien ficelées que vous proposez, dix cours par exemple, de plusieurs heures chacun, qui implique qu'il faut travailler, qu'il faut étudier, qu'il faut se préparer pour être prêt pour le prochain cours, celui qui s'en vient ensuite. Exactement. Oui, tout à fait. Et ça, je pense qu'il faut, il faudrait que les institutions commencent à se réveiller un tout petit peu, parce que je pense que déjà, les systèmes de contournement sont là, et sont très fortement en place. Intéressant les commentaires de Fabienne. Je profite de l'occasion pour saluer Alain Roy, qui est vice-président aux partenariats internationaux à CICAM. Bonjour Alain. Bonjour. Alain, c'est intéressant de se faire dire par quelqu'un de l'extérieur, comme Fabienne par exemple, que le Canada est vraiment un chef de file en matière et un modèle à respecter partout dans le monde quand on parle de pédagogie. Oui, ça fait plaisir de l'entendre de nos partenaires à l'étranger. Ouais. Et je crois que c'est une réalité qu'on connaît assez bien au Canada, qu'on aurait intérêt à connaître davantage, mais c'est une histoire à succès qui est peut-être méconnue encore à l'étranger, mais qui l'est davantage par notre engagement international. On a de coopération qui date de plus de 40 ans avec une variété de pays. Et je crois que les caractéristiques de notre système d'enseignement qui font en sorte qu'il y a des liens très étroits entre l'éducation et le marché de l'emploi. Il y a cette décentralisation, il y a une approche vraiment concrète d'enseignement appuyé par de l'expérience pratique. Donc, tout ça est valorisé et reconnu, et on a de belles opportunités de partager notre expertise avec nos partenaires à l'étranger. D'où l'importance de ce volet international pendant le congrès, Alain. Tout à fait. Je pense qu'on aura une belle opportunité de réfléchir, de discuter de notre engagement international. Cette réflexion-là était déjà amorcée avant la pandémie, mais celle-ci nous force à accélérer le rythme et identifier les innovations qui sont requises pour adapter notre engagement international dans ce contexte en évolution. Un forum comme celui-là, Alain, ça peut donner quel genre de résultats concrets? Bien, je crois qu'on pourra identifier les meilleures pratiques qui ont été mises en œuvre au cours de la dernière année ou des dernières années, identifier parmi ces nouvelles pratiques lesquelles feront maintenant partie de notre avenir. Alors, il y a eu des changements qui ont peut-être été vus comme ponctuels pendant la pandémie, mais je crois qu'on a appris beaucoup de leçons. Il y a beaucoup plus de choses qui peuvent se faire en mode virtuel, par exemple, et on va réfléchir à ces innovations-là qui devront perdurer pour s'adapter aux besoins qui ont changé des étudiants et les attentes des étudiants qui ont changé en termes de flexibilité, d'appui, et de formation davantage sur mesure à leurs besoins. Et ceux qui feront les présentations sont des gens qui sont reconnus vraiment de façon magistrale dans leur milieu respectif. Tout à fait. On a entre autres un forum ou un panel sur la mobilité étudiante, la mobilité vers l'étranger.
Si CAN gère un programme financé par le gouvernement du Canada qui va appuyer, je dirais, cette mobilité étudiante au cours des prochaines années. Et on a un panel qui sera animé par l'ex-gouverneur général David Johnson, qui inclura le président de la Chambre de commerce, Perrin Beattie, le président de la compagnie D2L, qui est une compagnie d'apprentissage virtuel, et Zabin Hergy, une ancienne membre du comité exécutif de la Banque royale du Canada. Et ils vont partager avec nous l'importance du développement de compétences interculturelles et de compétences qui vont permettre aux étudiants et aux établissements d'avoir du succès dans un monde davantage globalisé. Ça s'en vient, c'est dans 2 semaines. Merci beaucoup, Alain Roy. Bonne journée. Il n'y a pas de quoi. Au revoir. Salut. À bientôt. Merci beaucoup, Alain. The futurist Thomas Frey will be presenting at the closing keynote. En de normales circonstances, nous aurions eu le plaisir d'échanger avec lui en personne à Calgary, en Alberta. Il aurait d'ailleurs bien aimé être parmi nous. On l'écoute. Well, to be honest, I would love to be there in person and meeting you in person. That's one of the biggest things I'm missing over the past year is actually meeting people in person. So hopefully we can improvise our way into getting back to that. But this is such an important topic, though. The education of our world, the education of our children is so important. The young people today, they're going to become our future doctors, lawyers, our future business leaders, our future entrepreneurs and politicians. And how they become educated is critically important. And I think I actually think we're very bad at it today. I think a huge amount of room for improvement. Okay. When you say that, do you mean because of the COVID, because of the pandemic? I think we've always been kind of bad at bad anyway. The human race has an unwritten mandate to pass our knowledge from one generation to the next. But the tools we have for doing that just are not very good. Libraries are not good enough, colleges are not fast enough, and technology right now has a really poor interface for the human mind. But this is all changing, and it's changing really quickly. With all of the artificial intelligence that's being used, it's opening the doors for AI teacher bots that will help educate students faster and quicker than ever before. And I think that this opens the door for huge amounts of opportunity at the same time. Yeah. So we shouldn't look at it as teachers going away. The teachers convert into coaches and their assistants, and there's other opportunities that come out of this. Okay, so we're not all drifting in a big hole right now, right? Or we can do something about it now. Yeah, is that what you mean? Yeah, there's so an AI teacher bot will have the ability to understand who you are. We're having a conversation with it on a daily basis, and as we're talking back and forth to us to this AI teacher bot, it'll get to know us. It'll know what our proclivities are, our idiosyncrasies, our preferred reference points. It'll know what things we're interested in and what things we're not interested in. And it'll know what's the best time of day to schedule a learning activity. And it will learn about us as we're going. And through this whole process, it'll learn how to teach us faster and faster and faster, to a point where we can learn 2 times faster, 4 times faster, even 10 times faster than ever before. The idea of completing an entire college degree in less than a month will be possible in the future. Whoa. Is that good news or bad news? I think what we need to do is raise the roof so that we can not just educate ourselves to get a PhD, but we can get this super black belt category 5 PhD that's 200 levels above anything today. I think that we're going to be educating ourselves our entire life, and we need to make it faster, quicker, and easier, and reduce the distance between us and the experts that really know about
the cutting edge technologies. Well, that's what you call foreseeing new ways of approaching education. The opportunities are great, according to Mr. Frey, with the pandemic and with digital learning. You don't want to miss his presentation on April 28th at 3:15 Eastern Time. Before inviting Denise Amiot to join me again, I invite you to listen to Paula Burns, the chair of CICAN Board of Directors. Bonjour, hello. My name is Paula Burns, and I am the president and CEO of Lethbridge College. I'm also the board chair for CICAN, and it's my privilege today to really ramp up some excitement for our Connection Conference. Certainly in post-secondary, we know that right now we are changing the narrative. We are doing things differently, and I'm looking forward to the conversations that we will have at our conference. I've been in post-secondary for over 25 years, and certainly this year has been one of the ones that says to me, we do need to change the narrative. We are important. We know that we come together as colleges and institutes, and we know that we're serving our students and our communities. And having more conversation about how we're going to do that and what it's going to look like is going to be a very exciting time at the end of this month. I'm looking forward to it, and I know that we have, I think, over 1,000 registrants already. So it will be a wonderful time. Look forward to seeing you there. Thank you, and have a great day. Merci beaucoup, Paula. Donc, Denise, comment avez-vous trouvé nos invités de marque? First, I think all these previews are confirming that we made the right decision at CICAN to hold our virtual Connection Conference. Second, listening to our keynote speakers made me realize even more that Colleges and Institutes Canada has a pivotal role to play to strengthen the college and institute system, to ensure better futures for peoples and communities in Canada and around the world. And finally, Normand, that it is very timely and essential to engage in a collective societal dialogue to change narratives, and that the CICAN conference is the event of choice to do so. I sincerely hope that we will inspire each other by sharing numerous and diverse perspectives of acting now, and more importantly, Normand, acting together. Vous avez raison, Denise, et il y en aura vraiment pour tous les goûts au congrès. The conference has something for everyone and promises not to disappoint. We look forward to this great event and to the stimulating conversations that will take place on how we can change narratives. Encore une fois, nous tenons à vous remercier chaleureusement, vous les commanditaires du congrès Connexion de CICAN. Many thanks to all our great sponsors. Don't forget, register. The conference will be between April 26 and 28. De mon côté, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de Perspective en direct qui aura lieu le 26 mai. Je vous dis merci. Merci beaucoup, Denise. Au revoir. Au revoir et à bientôt. Stay well and stay healthy.